Voilà. Voilà, commencez à arriver. Attendez. Commencez à arriver. Commencez à arriver. Vite fait. Commencez à arriver. Nous partageons immédiatement. Que les uns et les autres puissent, voilà, commencer à partager, commencer à partager. Je suis très partageant, voilà, très partageant. Faites de même parce que nous devons partager. Voilà, vous voyez la vidéo. Dès que je la mets en marche, elle part jusqu'à un coup, on arrive à 70 et puis ça se bloque. Ça n'avance plus, ça recule plus, ça reste comme ça. Pourquoi ça fait ça? Ben, demandez à ceux qu'ils ont mis pour surveiller notre Facebook. Ce sont ces personnes qu'ils ont mises sur pied pour surveiller notre Facebook qui sont tout de suite habilitées dès que nous sommes en direct. De voir donc les premières secondes de mes vidéos, ça vous surprend pas que ça monte un coup et puis ça s'arrête. Ça pouvait commencer par 10, 20 et puis on a dit ça traîne un peu après 25, 30, mais ça va jusqu'à un coup à 50. Et dès que ça atteint les 50, 60, 70, ça freine. La preuve en est, regardez, nous sommes à 65, 70, 65, 70. Et puis après, comme je parle de ça, ça va monter un peu, ils vont lâcher un peu, ça va monter jusqu'à 100. Donc vous qui arrivez sur ce direct, il faut partager parce que je veux parler d'un sujet intéressant, un sujet qui fait que nous sommes obligés d'être en direct pour parler. Voilà. Parce que il y a des gens qui n'ont pas compris encore ce que c'est que la cohésion sociale. Soyez salués, je suis Hervé Djédié, le général Modibo Koïta Djédié Doboble Gbagbo Sankara Sékou Touré, chèque dans la gâchette. Il faut partager. J'ai mis urgent, Cissé Bakongo est le véritable oppresseur de l'opposition. Voilà. C'est le titre de cette vidéo. Et après cette vidéo, je vais couper cette vidéo et faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler du Burkina Faso avec les achats d'armes hein, du Burkina en Côte d'Ivoire qui est en train de faire parler beaucoup, faire couler beaucoup d'encre. Il y en a qui parlent, qui disent, mais le Burkina, voilà, ça, on va parler de ça dans une deuxième vidéo. Je n'ai pas mélangé les vidéos. Donc, j'ai fait une première vidéo, j'ai deux vidéos à faire cette nuit. La première vidéo, c'est celle-là, où je vais démonter Cissé Bakongo et vous montrer enfin, on a découvert maintenant, on a trouvé maintenant celui-là qui est la machine à détruire les opposants qui s'appelle Cissé Bakongo. Voilà. Donc commencez à partager, mettez beaucoup de cœur pour que je puisse répondre à Cissé Bakongo, je puisse lui parler même et puis au moins dénoncer cet individu. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, nous allons parler de comment on appelle dans la deuxième vidéo nous allons parler de comment on appelle merci à l'aise Zaté, hein, je vois que tu as partagé directement merci voilà dans la deuxième vidéo nous allons parler du Burkina Faso des achats d'armes parce que les gens ont commencé à applaudir pour dire que ce sont eux qui ont fait don hein, ce sont eux qui ont offert hein, des comment on appelle des du matériel militaire au Burkina Faso. Donc tout à l'heure, on va revenir là-bas. Autorité Kamé, soyez tous salués.
réseau des élèves et étudiants de la région du Sud Comoé, big up à vous. Soyez salués, vous qui êtes sur ce direct, à Déléqué, hein, à Déboyé, sois salué, big up à toi. Voilà, merci à vous d'arriver, merci à vous de partager. Nous allons parler d'un individu, mais j'ai dit à Facebook que je vais vous faire écouter ce que dit cet individu et avant de pouvoir parler de lui. Voilà. Le monsieur est très dangereux. Il s'appelle Cissé Bakongo. Il est maire, je crois, ou député maire de Koumassi, si je ne m'abuse. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit de l'opposition. C'est-à-dire, à partir de là, j'ai compris que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, contre les opposants, c'est pas, ça, peut-être que ça ne vient pas directement. Souvent, ça vient de lui, hein, le plus souvent, d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il a des gens qui sont des Ivoirois, qui sont de la Côte d'Ivoire, et qui lui ont donné ce cutus-là, ce tampon-là, qui lui ont donné cette force-là, qui lui ont donné, hein, comment on appelle, l'aval pour pouvoir opprimer, oppresser les opposants. C'est aujourd'hui, avec ce discours que j'ai entendu de la bouche de ce monsieur, c'est là que j'ai compris qu'en réalité, c'est ce monsieur-là qui fait croire, ou du moins, il ne fait pas croire que Dieu m'en garde. Je ne veux pas mentir si quelqu'un, parce que nous, au PPACI, nous, enfants de Gbagbo, nous ne sommes pas des menteurs. Donc, on ne colle pas un mensonge si quelqu'un inutilement. Donc, je ne peux pas mentir. Ce que je peux dire de lui, c'est que, paraît-il, parce que moi, je ne connais pas du tout son niveau d'études, mais paraît-il que c'est un éminent juriste. Voilà. Que c'est un juriste. Bon, éminence là, ça, je ne sais pas si c'est avéré, mais c'est un juriste. Et qu'il donnerait des conseils, beaucoup de conseils à Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on va écouter ce monsieur qui est l'un des conseils d'Alassane Dramane Ouattara, qui lui apporte beaucoup de conseils juridiques et donc qui l'induit en erreur aussi. Voilà, qui l'induit aussi, je dis bien, en erreur. Parce que s'il écoute ce genre de personne comme si c'est Bakongo, à ce moment-là, il a un problème. Il a un problème. Oui. Ce monsieur est frappé, hein, d'un nanisme qui ne dit pas son nom. Et donc, voilà. C'est quelqu'un, quand lui-même, physiquement, tu le vois, il est plus petit que le nez des poils. C'est-à-dire, lui, il est plus petit que le nez des poils. Voilà. Je tenais, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas trop. Donc, c'est vrai que politiquement, son physique n'est pas, c'est pas ça notre problème. Mais je voulais quand même que les gens le sachent. Voilà, ceux qui sont qui ont la taille entre les nains, c'est-à-dire ils ne sont pas nains, mais ils ne sont pas petits de taille. Ils sont au milieu entre les petits, ceux qu'on appelle petits de taille et puis les nains. Voilà, ce sont les Lilliputiens. Voilà, ce sont les Lilliputiens, c'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui ne sont pas nains et puis ils ne sont pas aussi petits de taille. Ils sont au milieu entre nains et petits de taille. On les appelle les Lilliputiens. Voilà. Donc, lui, si c'est Bakongo, c'est un Lilliputien. Et ce Lilliputien-là, comme d'autres, les gens le disent, quand tu es petit, quand tu es Lilliputien, quand tu es comme lui-là, rabougri comme ça, tu as un cœur méchant. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Mais les gens qui sont au RHDP, RDL, ils ne peuvent être que méchants avec cette taille-là. Vous voyez? Donc, attendez, je vais expédier quelqu'un pour qu'il quitte sur mon direct carrément, je le bloque, voilà. Donc, voilà. Alors, on va partir dans le vif du sujet. Pourquoi je vous interpelle sur ce monsieur, si c'est Bakongo? Voici ce qu'il dit. On va l'écouter. Pour des raisons qui n'échappent, le secrétaire général du PPACI a été convoqué
pour des raisons qui n'échappent à personne, mais sur lesquelles nous ne pouvons pas ici nous prononcer parce que ces raisons sont entre les mains de la justice ivoirienne. D'accord. Ce que je regrette dans ce fait, c'est que le secrétaire général du PPACI ait répondu à la convocation de la justice, non pas avec une armée d'avocats, comme cela aurait dû se passer, mais avec des militants. Est-ce que la présence des militants... On va continuer. Constitue un argument, un moyen de défense, bien, enfin, je n'en sais rien du tout, mais je regrette. Est-ce que la présence des militants constitue un moyen de défense ou je n'en sais rien du tout? Il aurait dû aller avec une armée d'avocats. Monsieur le Lilliputien, monsieur, comment il s'appelle? Cissé Bakongo. Mastébile. Monsieur Cissé Bakongo, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, parce que je comprends aujourd'hui pourquoi tous ceux qui rentrent de l'exil, en tout cas, qui ont vendu leur âme au diable, la première personne qu'ils cherchent à voir quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est Cissé Bakongo, le Lilliputien. Et ensuite, ils vont se promener. Parce que le chef milicien, le chef des agresseurs, le chef des oppresseurs en Côte d'Ivoire, c'est en réalité Cissé Bakongo, mais on ne le savait pas. C'est lui qui dit, il s'assoit devant des micros de la RTI. Et puis il dit ouvertement comme ça, c'est-à-dire sans gêne, que le secrétaire général du PPACI, en l'occurrence, le camarade Damana Adia Picasse, va se rendre à une convocation et au lieu de partir avec des avocats, une armée d'avocats, il ne dit même pas des avocats, il dit pas quelques avocats, il ne dit pas même des avocats, il dit une armée d'avocats. Il préfère partir avec des militants. Il préfère partir avec des militants comme si ces militants constituaient sa défense. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire à travers ce qu'il est en train de dire là? Il veut dire que au lieu de que juridiquement on convoque quelqu'un, au lieu de venir être ses avocats, il vient avec des militants, une armée de militants. Est-ce que ces militants-là constituent une défense pour lui? C'est-à-dire qu'en réalité, si c'est Bakongo et ses mandants, c'est-à-dire ses patrons, ont eu peur du groupe qui allait accompagner Damana Adia Picasse. Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi je suis en train de parler? Parce que quand souvent on intervient, si on n'attrape pas vite le sens de ce qu'on veut dire, on se perd un peu. Donc ce que je suis en train de dire là, est-ce que vous suivez avec moi? Cissé Bakongo dit, et je répète, que quand on convoque Damana Adia Picasse, il ne va pas avec une armée d'avocats pour que eux, leur cœur soit tranquillisé. Mais il prend un groupe de militants comme si ce groupe de militants constituait sa défense. Ce qui veut dire qu'ils ont eu peur, lui et ses mandants, ceux qui l'ont envoyé. C'est eux qu'on appelle les mandants. Ceux qui l'ont envoyé là, ses mandataires, ceux-là, c'est-à-dire ils ont eu peur de ces jeunes qui ont accompagné Damana Adia Picasse. C'est pour ça qu'ils ont mis la main sur eux. C'est pour ça qu'ils les ont arrêtés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, moi, je vais dire à monsieur le Lilliputien. Monsieur le Lilliputien, si c'est Bakongo, écoute-moi très bien. Ce n'est pas à toi, parce que tout à l'heure, je voulais te vouvoyer, mais non. Pour ce genre de personnes, le vouvoiement doit, comme on appelle, s'effacer. Ça doit foutre le camp. Le tutoiement doit être de rigueur. Monsieur Cissé Bakongo, écoute-moi très bien.
C'est pas à toi, ainsi c'est Bakongo, Lilliputien, qui va donner une méthode ou une manière de procéder à des gens qui sont très qualifiés pour pouvoir gérer leur manière de procéder ou leur manière de marcher. Ce n'est pas à toi de leur donner des leçons. Ce n'est pas à toi de leur dire qu'ils devaient avoir ceci ou cela. Ce n'est pas à toi, parce que nous ne découlons pas du RHDP, bien au contraire. Nous ne découlons pas du RDR, bien au contraire. C'est le RDR qui descend, qui vient des idées, c'est-à-dire des idées de multipartisme du président Laurent Gbagbo auprès du feu Félix Feu-Boigny. Donc, c'est vous découlez, c'est-à-dire vous êtes des comment on peut vous appeler, comment on appelle ça, des dérivés d'une volonté politique. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des dérivés d'une volonté politique. D'un opposant charismatique, le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a pensé, qui a lutté pour que le multipartisme soit. En tout cas, que ça sorte comment on appelle, de la phase constitution pour être dans la phase pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne peux pas venir nous donner des leçons, des leçons de morale, ou tu ne peux pas venir nous montrer comment marcher, comment répondre à des convocations, que ce soit à la police ou à la justice. Ce n'est pas à toi de nous montrer quoi que ce soit. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Va montrer ça au RDR. Va leur montrer. Voilà. On va continuer parce qu'il a dit des choses gravissimes. On va continuer à l'écouter. Rien du tout. Ben, je regrette qu'en lieu et place d'avocats chevronnés, bien au courant, bien au fait du dossier, qu'il se soit fait accompagner et qu'il continue de se faire accompagner par des militants. Pourquoi des drapeaux russes à une manifestation organisée par des Ivoiriens pour revendiquer auprès du gouvernement ivoirien, ou du moins pour formuler des revendications auprès du gouvernement ivoirien? Pourquoi? Voilà. Mais ce monsieur, il va aller loin. Le Lilliputien, si c'est Bakongo, va aller loin. Il va aller plus loin. Il va aller loin dans sa démarche de vouloir déconstruire ce que fait le PPACI. Il va aller plus loin. On va continuer à l'écouter. Mais retenez bien cette petite partie-là. Pourquoi des manifestants d'un parti politique en Côte d'Ivoire sortent avec le drapeau d'un autre pays? Et il va aller plus loin. Il va rentrer dans le panafricanisme du PPACI. On va l'écouter. Pourquoi des drapeaux russes? Mais pour des gens qui se disent panafricanistes et souverainistes. Panafricaniste et souverainiste. Écoutez. Parce que la dénomination de leur parti, c'est parti pour les peuples africains. Non, un parti panafricaniste, pour un parti, pour des militants et des cadres d'un parti panafricaniste, d'un parti souverainiste, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à une manifestation avec des drapeaux russes. Ok. Personnel. Voilà. Vous avez entendu, Vous avez entendu. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Il ne comprend pas le monsieur, le Lilliputien, si c'est Bakongo, ça s'écrit L-I-2-L-I-P-U-T-I-E-N. Lilliputien, si c'est Bakongo. Entre nain et petit détail, c'est lui sa taille-là. C'est ça qu'on appelle Lilliputien. Je continue d'insister dessus. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste dessus. Le Lilliputien, si c'est Bakongo, dit que il ne comprend pas pourquoi le PPACI, qui se définit comme tel, c'est-à-dire qui se définit en tant que parti des peuples africains,
partie des peuples africains. Pour lui, il dit que c'est un parti panafricanisme, un parti panafricaniste et un parti souverainiste. Comment un parti panafricaniste et un parti souverainiste peut-il accepter un drapeau d'une puissance étrangère, c'est-à-dire le drapeau russe dans sa manifestation? Pourtant, il s'est dit souverainiste, il s'est dit panafricaniste. Mais Monsieur Cissé Bakongo, le Lilliputien, écoute-moi très bien. Quand tu ne sais rien, faut pas te jeter dedans comme ça. Faut pas te jeter dedans. Voilà. Quand tu ne sais rien, là, faut pas te jeter dedans. Le panafricanisme n'a rien à voir avec, vivre en autarcie. Il n'y a pas un panafricaniste qui va te dire qu'il veut vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'autres pays. Emilienne Bambazao, il ne veut pas d'autres pays, il ne veut pas s'entendre. C'est-à-dire qu'il se coupe du reste du monde. Ils ne sont pas communistes. Il se coupe du reste du monde. Il ne veut pas parler avec quelqu'un. Il ne veut pas marchander avec quelqu'un. Il ne veut pas commercer avec quelqu'un. Il ne veut pas diversifier ses connaissances avec quelqu'un. Ce n'est pas ce que le panafricanisme veut dire, monsieur le Lilliputien. Ça ne veut pas non plus dire que si on est au pouvoir en tant que souverainiste, en tant que panafricaniste, on va chasser les ambassades de la Russie, les ambassades de la France, les ambassades du Maroc, les ambassades du Canada, les ambassades. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On m'a dit que tu étais un juriste chevronné, un juriste, quelqu'un qui a un droit, et un doctorat en droit, pardon. C'est ce qu'on m'a dit de toi. On m'a dit de tous les moutons, les ado-moutons qui sont autour de vous là, c'est toi qui es un peu, pas beaucoup, mais un peu instruit. Mais quand tu sors ça, quand tu sors ce que tu dis là, ça fait rigoler. C'est-à-dire, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Parce que c'est ce genre de docteur en droit que tu es. Et puis, tu as ce genre de réflexion ou de définition du panafricanisme. Ça fait pitié, c'est vraiment dommage. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des intelligences, qui a des multiples intellectuels, c'est dommage de voir ça. Le camarade Lago, Guy Lago, soit salué, on peut sortir et s'opposer aux opposants, même si on est au pouvoir, mais on ne doit pas aller dans du mensonge. On ne doit pas faire croire au monde entier que l'opposition ne sait pas ce qu'elle fait. En tout cas, l'opposition, selon nous, l'opposition du PPACI, là, on sait ce qu'on fait. Ces militants-là sont allés avec le drapeau de la Russie dans un meeting. Ils auraient pu aller avec le drapeau du Burkina, comme vous avez fait par le passé. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu le drapeau du Burkina Faso qu'on a hissé haut à la place du drapeau de la Côte d'Ivoire. On a enlevé le drapeau de la Côte d'Ivoire, en français, terre à terre. On a enlevé le drapeau de Côte d'Ivoire en haut et on a mis ça en berne et on a hissé haut le drapeau du Burkina Faso à Avoukatier, à Bobo. Il y a eu ça. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu un drapeau burkinabé qu'on a mis à la place du drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça là, si c'est Bakongo, le Lilliputien, ça t'a rien dit. Parce que ça t'arrangeait toi. Parce que c'était en train de faire le lit de votre association au pouvoir.
Donc ça, c'était normal, juridiquement, c'était normal. Dans le droit que toi, tu as fait ou tu as eu le doctorat, là, ça, c'est normal. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est normal qu'on utilise le drapeau d'un autre pays. Tu vois? Votre mensonge vous a rattrapé. Votre mensonge vous a rattrapé. Pourquoi vous n'avez pas gardé les gens en prison? Pourquoi vous ne les avez pas gardés en prison? Pourquoi vous ne les avez pas gardés en prison? Ceux qui avaient drapeau russe là, pourquoi vous ne les avez pas gardés? Vous êtes au courant, vous savez pourquoi vous les avez libérés. Fallait les garder, c'est ça qui te fait mal. Et tu veux apporter une explication. Mais cette explication-là, elle est erronée parce qu'il n'y a pas de substance juridique dans ce que tu essaies d'expliquer. Il n'y a rien. Le dossier est vide. C'est juste une intimidation. Le dossier est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous les avez libérés? Parce que vous avez eu l'ambassadeur de la Russie qui vous a demandé. Parce que apprendre que des personnes ont été arrêtées, quatre personnes, plus 26 autres ou 24, 22 autres, mais en tout cas quatre personnes qui ont arboré le drapeau russe ont été arrêtées en Côte d'Ivoire. Mais la Russie vous a demandé quel a été le délit de ces personnes-là. Si c'est à cause du drapeau russe, est-ce qu'il y a il y a une loi qui interdit le drapeau russe? Parce qu'il y a d'autres drapeaux en Côte d'Ivoire, mais le drapeau russe, personnellement, est-ce qu'il y a une loi qui interdit ça en Côte d'Ivoire? Quand on vous a posé la question, vous étiez obligé de bégayer et votre Alzheimer en chef, l'Alzheimer être, c'est-à-dire l'Alzheimer être humain, l'Alzheimer en chair, Alassane Draman Ouattara, a tout de suite nié les faits. Comme d'habitude, il n'en savait rien. Comme d'habitude, il n'était pas au courant. Vous étiez obligé de libérer. Sans délai, immédiatement, ce que vous avez condamné à 2 ans, ferme des prisons. Cissé Bakongo, viens expliquer pourquoi vous libérez des gens que vous avez condamnés à 2 ans, ferme des prisons. Qu'est-ce qui vous a poussé à les libérer? Vous avez vu quelqu'un faire la coubette devant votre domicile? Vous avez vu quelqu'un aller se coucher devant le palais pour faire grève de la faim? Vous avez vu quelqu'un, le PPACI, demander pardon dans des communiqués? Rien de tout ça. Rien de tout ça, vous les avez libérés parce que vous en étiez obligés. Vous les avez libérés parce que la pression était trop forte. Vous les avez libérés parce que le dossier il est vide. Vous les avez libérés parce que vous n'avez aucune explication juridique par rapport à votre arrestation. C'était des arrestations arbitraires, injustes, sans preuve. Sans preuve. Sans preuve matérielle, sans rien. C'était fondé sur rien. Sur zéro, Marcel Akoutchoulou. C'était sur zéro, Mia Toquet. C'est ça, Mia Toquet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On les a appelés pour leur dire pourquoi le drapeau, quelqu'un qui a arboré le drapeau russe, qui s'est enveloppé du drapeau russe, créerait son emprisonnement de 2 ans ferme. Pourquoi? Vous avez tremblé dans tous les sens. Libération fut immédiate, sans délai. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle et puis vous êtes là. Tu viens raconter ta merde. Toi, un juriste de qualité comme les gens te présentent, c'est toi qui sors ça. C'est toi qui sors ça. Mais tu vois, on va vous pousser à pleurer. Tu sais comment on va vous pousser à pleurer? On va vous pousser à pleurer en sortant encore avec plus de drapeaux russes. Plus de drapeaux russes sur le corps. Plus. Depuis, si vous avez fait erreur, si vous êtes garçon, si vous avez fait erreur, arrêtez encore des gens qui ont drapeaux russes sur eux. Vladou, il s'amuse pas. C'est pas un plaisantin. C'est les autres qui rigolent, c'est les autres qui traînent. Lui, il plaisante pas. Il te pose une question, comme Guy Robert le faisait par le passé, paix à son âme. Guy Robert pouvait venir te trouver dans ton bureau et puis te demande, tu es avec moi ou bien tu es contre moi? Vous voyez, deux réponses, deux choses, deux questions. Qui a droit?
qui ont droit, pardon, ces deux questions ont droit à une seule réponse. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi. C'est-à-dire on ne te donne même pas un échappatoire. On ne te donne même pas une alternance, une réponse alternative. On te permet pas d'être ambigu dans tes réponses. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Tout le monde était avec lui. C'est pour ça qu'il a cru qu'il pouvait prendre le pays. Or, il ne sait pas que sa question, qui ne donnait pas de choix à son interlocuteur, pouvait que être à son avantage. Toute réponse pouvait qu'être à son avantage. Parce que quand tu vois un militaire, tu ne peux pas dire le contraire de ce qu'il vient de dire. Il te dit, tu es avec moi ou tu es contre moi. Toi, tu vas répondre quoi? Je suis avec toi. Tu ne peux pas dire autre chose. Il ne te donne pas issue de secours. Or, dans toute chose, même quand on construit une maison, on laisse ici un petit couloir où tu peux sortir en cas de cas. Mais lui, il ne te laissait pas le couloir de sortie, de sauvetage. Il ne te laissait pas. C'est oui ou bien c'est non. Tu es avec moi ou bien tu n'es pas avec moi. Un point, un trait. C'est la même chose qu'on va vous faire. Et c'est la même chose que la Russie vous a faite. Prochainement, on va vous dire. On sort à un drapeau russe. Quelle sera votre réaction? Allez-vous nous arrêter ou bien allez-vous nous laisser? Voilà. Et la Russie va vous demander, vous êtes avec moi ou bien vous êtes contre moi? Là, cette question-là, ça va vous coller à la gorge. Ça va vous serrer la gorge. Parce que comment vous allez répondre? Il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas dire je ne suis pas avec toi. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas avec toi. Devant Vlado, tu ne peux pas dire je ne suis pas avec toi. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi? Les amis, le peuple de Côte d'Ivoire va te demander, tu es avec moi ou bien tu es contre moi, Alassane Dramane Ouattara. Écrivez ça en commentaire, ça va rester sur mon direct. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi, écrivez ça. Écrivez, le peuple de Côte d'Ivoire va te demander, tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Trouvez en tout cas le thème exact. Voilà. Trouvez le thème exact. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Voici la question qu'on va poser. Voici la question qu'on va poser à Alassane Dramane Ouattara. Que la Russie va lui poser, que le peuple de Côte d'Ivoire va demander à Alassane Dramane Ouattara, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Et puis il va répondre. On va écouter si c'est Bakongo dans ses délits. Titre personnel, la déclaration m'a amusé si elle devait amuser. Mais j'ai éprouvé plutôt de la compassion pour elle. Voilà. J'ai dit bien de la compassion pour elle. Il parle de Marie-Odette Lourignon. Vous savez ce que ça veut dire, non? J'ai éprouvé de la pitié pour elle. La voix s'agitait en train de dire que le président de la République, Alassane Ouattara, est passé partout, dans tous les pays, en train de pleurer, en train de pleurnicher, en train de pleurer pour qu'on libère. Oui. La VP Marie-Odette Lourignon n'a pas menti, Cissé Bakongo, monsieur Cissé Bakongo. Elle n'a pas menti. Elle a dit ce qui était. Et ce qui était, c'est que Dramane Ouattara, ton chef, l'Alzheimer en chef, l'Alzheimer être humain, l'Alzheimer de naissance, l'Alzheimer de chair et de d'os, a pleuré dans chaque chancellerie pour que son problème de ses soldats soit réglé. De lui, ses soldats soient réglés. Il a pleuré, il a pleurniché même. Il a pleurniché. C'est ça qui te fait mal. C'est pour ça que tu parles de Marie-Odette Lourignon. Elle a dit peu. Elle a dit petit même. Elle devait dire plus ça, plus fort encore. Elle a dit ça, c'est ça qui te fait mal. Ton mentor a pleuré, il a pleurniché dans les chancelleries. Il allait au Togo, il allait en Chine, il allait partout dans le monde entier pour pleurer. Il allait à l'ONU, il allait à CDAO, il allait à l'Union africaine. Il allait pleurer partout. On a vu défiler des chefs d'État au Mali pour aller demander pardon qu'on libère les hommes de Alassane Dramane Ouattara. Oui, on a vu ça.
On a vu ça en Côte d'Ivoire. Il a pleuré, pion. Ça vous fait mal. Il a pleurniché, pion. Il a pleurniché. On a vu ça. Ça vous fait mal. Il a pleurniché. Et Assimi Goïta, le colonel, lui a montré que tes pleurs ne vont rien changer. C'est quand moi, Assimi Goïta, avoir envie de te libérer, que je vais le faire. Sinon, le reste là. Vos gens vont rester là. Écoutons-le. On ne va pas tout mettre la vidéo. Bon, je pense qu'on va l'écouter jusqu'à la fin. On libère les soldats qui étaient retenus à Bamako. J'ai éprouvé plutôt de la compassion pour elles. Une compassion mêlée d'une révolte sourde, parce que pour une mère de famille, pour une prétendue patriote, pour quelqu'un qui dit aimer son pays, comment une mère de famille peut-elle pleurer parce que des militaires qui sont les épouses et les époux d'autres Ivoiriens, qui sont les pères et les mères d'enfants ivoiriens, comment on peut être triste pour leur libération? Ça, je ne comprends pas. Est-ce à dire que Marie-Odette Lourignon a subi une greffe du cœur pour remplacer son cœur par une pierre? Je suis... Voilà, si c'est Bakongo, monsieur le Lilliputien, écoute-moi très bien. Tu vois, des gens essayaient de montrer que tu faisais un travail propre et tout, et que toi, différemment des autres, tu as changé ta commune et tout ça. Mais, si c'est Bakongo, tu as changé ta commune, il n'y a pas de souci. Changer sa commune, il n'y a pas de souci. Mais, je pense que tu es un comédien. Tu es un comédien parce que le virus, en tant qu'humoriste de ton gendre, celui qui a marié ta fille, le magnifique, qui a marié ta fille, le magnifique qui a marié ta fille, on dirait que le fait d'avoir marié ta fille, il t'a contaminé avec son côté humoriste là. Son côté d'humoriste. Je pense que tu as été contaminé, tu as été atteint par le virus de la comédie. Tu es un comédien. Que toi, tu ressens de la compassion. Tu ressens de la pitié pour Marie-Odette Lourignon. Mais tu sais, la pitié, ça y va de soi. Et je pense que c'est toi qui fait pitié, monsieur le Lilliputien. C'est toi qui fais pitié. C'est toi qui dois pleurer pour ton sort, qui dois avoir pitié pour ton sort. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que là où tu deviens comédien, tu parles de greffe de pierre, de greffe de cœur. C'est-à-dire ils ont changé le cœur de Marie-Odette Lourignon en pierre. Mais Marie-Odette Lourignon est une mère accompli, qui a un cœur de chair, qui a de la compassion, de la pitié pour certaines choses qu'elle voit. Marie-Odette Lourignon a pleuré pour que vous libérez des prisonniers que vous détenez depuis plus de 12 ans. Ils sont enfermés à la Maca. Ils sont enfermés au camp pénal de Boaké. Ils sont enfermés à Dembokro. Ils sont enfermés même dans les prisons de fortune, dans des caves de bâtiments, de maisons. Ils sont enfermés. Ça fait combien d'années? À la place de votre cœur, là, vous, est-ce que c'est Pierre même qu'on peut dire? C'est quoi qui est à la place de votre cœur? C'est quoi, vous? Si elle a fait greffe de cœur, toi, tu as fait greffe de quoi? Greffe de tuerie? Parce que vous êtes en train de les tuer à petit feu, les Dobo-Blé, Bruno, qui sont enfermés depuis plus de 12 ans.
Vous êtes en train de les tuer à petit feu. Ces militaires qui sont enfermés depuis près de 12 ans. Toi, ton cœur, là, c'est quoi qui a la place? Si pour Marie-Odette, l'Union, c'est Pierre. Toi, pour toi, là, c'est quoi? Pour ta maman, c'est quoi? Parce que si tu parles d'une femme, ta maman, là, elle ne te donne pas conseil pour dire, mon fils, enlevez les prisonniers, là, maintenant. Parce que imaginez-vous que si la roue tourne et que vous, on vous faisait comme ça, ça va vous plaire? Vous, là, si Gbagbo Laurent vous faisait arrêter parce que, rappelez-vous qu'en 2000 et en 1992, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, en 92, le 18 février 92, vous avez fait arrêter Laurent Gbagbo, vous l'avez jeté en prison. Vous avez failli le tuer au sous-sol d'un immeuble. Quand il est venu, a-t-il été revanchard? A-t-il arrêté votre mentor, l'Alzheimer en chef, Alassane Draman Ouattara? L'a-t-il fait arrêter? Marie-Odette Lorignon était là. Quand Laurent Gbagbo était président, Marie-Odette Lorignon était là. Si elle avait un cœur, elle avait un cœur de pierre. Si elle avait à la place de son cœur le fer ou une pierre, elle allait demander que Gbagbo Laurent arrête Alassane Draman Ouattara, arrête Cissé Bakogo qui a aidé la rébellion à prendre la Côte d'Ivoire. Elle allait dire ça. Mais elle ne l'a pas fait. Les amis, est-ce que vous partagez ce direct? Partagez, on va leur parler. Parce que si c'est Bakongo là, depuis que je fais les vidéos, vous constaterez et vous remarquerez que je n'ai jamais parlé de lui. Parce qu'il se faisait rare. Il fait des choses en Côte d'Ivoire, mais on ne remarquait pas trop. On ne s'occupait pas trop. On ne s'occupait pas trop. C'est pour ça que j'insiste sur sa taille en parlant des Lilliputiens. Parce qu'il est tellement petit de taille, donc ce qu'il faisait là, il faisait ça dans sa taille là, que nous, on n'arrivait pas à capter. C'est-à-dire notre radar ne le trouvait pas sur notre chemin. Voici pourquoi j'insistais sur sa taille tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous dire pourquoi. Voici pourquoi. Parce que ce qu'il fait là, ça faisait qu'il était en dehors de notre radar. Je n'arrivais pas à le capter. Je n'ai jamais parlé de lui, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais parlé de lui. Mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire, il m'a tellement gonflé avec ce qui... En fait, j'ai dit, je ne parlais pas de lui. Oh, c'est lui le vrai voyou. C'est lui le vrai bandit même. C'est lui qui amène les gens à la mort. C'est lui qui amène les gens en prison. Je comprends pourquoi, quand le neveu de l'oncle est rentré, il allait le voir. Je comprends pourquoi, quand l'honorable 13-13 est rentré, il allait le voir. C'est lui-là qu'il faut aller voir parce que c'est lui qui amène les gens à la mort. C'est lui qui dépose les gens en prison. C'est lui qui par sa connaissance juridique, comment on appelle, tord le cou au droit pour pouvoir faire jeter les gens en prison. Il ment à Alassane Draman Ouattara et Draman écoute un gars comme ça parce qu'il dit que c'est un juriste. Il dit qu'il est, il est docteur en droit, donc il connaît ce qu'il dit en droit. Or, il tord le cou au droit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que c'est le plus dangereux qui est là. C'est lui que je viens d'attraper aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train d'insister sur la petitesse de sa taille. Qui est ni nain, ni petit de taille. Le Lilliputien. Les amis, il faut qu'on se dise la vérité. Ce monsieur est dangereux. Parce que les questions qu'il pose là, on peut lui retourner ça. Et je suis en train de lui retourner ça. Et il faut lui retourner ça. Il faut lui retourner ça. Quand vous preniez des machettes, des fusils, des couteaux, quand vous preniez des gournets, des haches pour décapiter la Côte d'Ivoire là, vos cœurs étaient où? Aviez-vous subi des opérations chirurgicales? Avez-vous eu des greffes de cœur? Les gens avaient-ils changé vos cœurs, vous qui aviez pris les armes? Les Kone Zakaria, les Shérif Ousmane, les Losseni Fofana, les Jack Gao, les Fofie Kwaku, les Vétio, Touré Hervé, les, comment on appelle, Mourou Ouattara, toute votre association,
le décédé, Watao, vous tous, Soro Kibafori, Guillaume, tous vos groupes là, quand vous preniez les armes pour décapiter les Ivoiriens, pour déchirer la Côte d'Ivoire, pour jeter Laurent Gbagbo en prison pendant des mois et des mois, ensuite hors de la Côte d'Ivoire pendant des années, aviez-vous des cailloux, des pierres à la place de vos cœurs? Donc, en réalité, les premières opérations du cœur, les premières greffes de cœur, c'était vous. On avait mis des pierres. C'est pour ça que tu sais qui on a opéré pour mettre pierre dans son cœur, à la place de son cœur. C'est parce que toi, tu avais mis pierre à la place de ton cœur par le passé, qu'aujourd'hui, tu connais qui a subi la même opération. C'est pour cela. Mais tu te trompes. Tu as dit que tu as mal diagnostiqué le mal. Marie-Odette Lourougnon, modèle, comme on l'appelle, tu vois son nom. Tu vois, elle s'appelle modèle. Donc, elle est un modèle pour la jeunesse, pour les femmes de la Côte d'Ivoire. Quand modèle dit que ceux qui sont allés au Mali, qui ont été arrêtés en plein jour avec des armes, dans un pays où ils n'avaient pas le droit d'être parce qu'ils n'avaient pas d'ordre de mission, qu'elle les appelle des mercenaires, elle n'a pas dit fort. C'est pas parce qu'elle a mis pierre à la place de son cœur, c'est parce qu'elle est réaliste. On appelle ça être réaliste. On appelle ça être réaliste. Des gens qui vont dans un pays frais, avec des armes lourdement armées, sans ordre de mission, on appelle ça mercenariat. Et donc, quand Marie-Odette Lourougnon prononce le mot mercenaire, c'est pas parce que ces gens n'ont pas de femmes, c'est pas parce que ces gens n'ont pas d'enfants, c'est pas parce qu'elle n'a pas de compassion, mais elle est réaliste. Elle dit quelque chose qui est ça. Ce qui est différent de vous, parce que vous avez arrêté des militaires républicains, des militaires qui défendaient la patrie, qui ont défendu les institutions de la République. Togo Blé Bruno a défendu les institutions de la République, en l'occurrence la présidence de la République. Il a fait son travail, mais vous l'avez condamné à 20 ans de prison, il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas de mères, vous n'avez pas de filles. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de ta fille mariée à Magnifique, le Magnifique. Tu as fille, tu as femme, tu as mère. Leur cœur, ça ne peut pas te dire à toi de libérer enfin des gens que tu as enfermés pour le parce qu'ils ont fait un travail. Ils ont fait leur travail tout simplement. Tu les gardes encore en prison. Et toi, tu veux donner des leçons de droit à quelqu'un? Toi, tu veux donner des leçons à notre parti politique? Toi, tu peux enseigner au PPACI quelque chose? Toi, un assaillant? Toi, un éventreur? Toi qui as déchiré la Côte d'Ivoire, le drapeau ivoirois pour déposer un drapeau étranger dans notre pays? Toi, tu veux donner des leçons aux gens? Toi, qui as soutenu une rébellion, qui a jeté des gens dans les puits, qui a soutenu une rébellion, qui a éventré des femmes enceintes pour voir le sexe des enfants dans leur ventre. Toi, tu peux parler, qui était le juriste de cette rébellion, qui brûlait vif des gens. Toi, tu veux parler? Toi qui a laissé faire pour qu'on décime des villages, des villes, on égorge des gendarmes devant toi, à Boaké. Toi, tu veux parler de cœur, de pierre, à la place du cœur? Toi aussi, parce qu'on dit rien sur toi, on te laisse comme ça. Parce qu'on dit, selon les dits des gens, ta maman et ta femme seraient, ouais. Je sais que quand tu vas coucher avec ta femme, elle te regarde avec un air. Elle te regarde avec un air. Mais comme elle a besoin d'argent, elle prend cet argent et puis elle s'éteint. Sinon,
Elle aurait pu te dire, vous avez génocidé mes parents. Tu as génocidé mes parents. Elle aurait pu te dire ça. Quand il y a ta fille, qui a moitié xénophobe, je ne sais pas si tu es xénophobe vraiment, mais moitié xénophobe et moitié ouais, là, ça ne te dit rien. Ça te rappelle pas de souvenirs d'avoir décapité le peuple ouais, d'avoir génocidé le peuple ouais. Ça te dit rien. Qui a un cœur de pierre en toi qui a des enfants ouais? Et vous qui avez, et comment on appelle, qui a des enfants ouais, mais qui n'a pas hésité à accepter qu'on décime, qu'on tue des ouais. En toi et puis elle, Marie-Odette Lourignon, qui est réaliste, qui répète simplement ce que le gouvernement malien a dit, parce que vous n'avez pas apporté des preuves. Parce que vous avez envoyé des enfants, des gens à l'abattoir. C'est ça le vrai point. Bien au contraire, elle a un cœur de chair. Elle a un cœur sentimental. Parce qu'elle ne veut plus que vous envoyez les enfants, des gens à l'abattoir, les Ivoirois. Elle ne veut plus que vous envoyez des enfants, des gens dans des troupes perdues, dans des guerres qui n'ont pas lieu d'être. Des guerres sans conviction. Elle ne veut pas. C'est pour cela qu'elle se plaint. Donc c'est à toi de revoir tes cours de droit, monsieur le Lilliputien. J'ai assez dit sur toi. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre de près. Je vais te suivre de près parce que le PPACI, qui est le parti des peuples africains, qui est un peuple panafricaniste, et ça risque de vous attraper à la gauche, parce qu'aujourd'hui le panafricanisme est en train de prendre toute l'Afrique, et vous êtes encore endormi, et toi, celui, l'homme a tout fait pour tordre le cou au droit, toi, tu vas continuer à tromper ton mentor. Aujourd'hui, je sais désormais que c'est toi qui trompes ton mentor. Parce qu'il a trop confiance en toi, il s'est dit, c'est toi qui connais le droit. Lui, il ne connaît rien, lui, il avait VC à FMI. Et puis on dit, il était sous-directeur là. Il avait VC là-bas, donc il ne connaît pas ce que toi tu connais. Donc du coup, il se confie, il a entièrement confiance en toi et il se jette tête baissée, yeux fermés, pieds joints, bras joints. Il se jette dans tes bras. Et toi, tu le manipules dans tes mensonges. Même à faire de troisième mandat, là, tu racontais ta merde. Oui, il ne va pas faire troisième mandat. Il ne peut pas faire troisième mandat. Il n'y a rien juridiquement qui prouve qu'il va faire troisième mandat. Qu'est-ce qu'il prouve aujourd'hui? Et puis il a fait troisième mandat. Et puis là, il est en train de partir chercher à faire quatrième mandat. Tu ne parles plus, tu as fermé ta gueule. Tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Il faut parler. C'est toi qui connais le droit. C'est toi qui as eu doctorat en droit. Il faut parler. Il faut parler. Ou bien quand ça t'arrange, tu n'es plus docteur en droit. Quand ça t'arrange. Quand ça ne t'arrange pas, là, c'est là que tu viens sortir tes connaissances de bas niveau de droit. Carrément, docteur en droit. Les amis, j'ai assez dit. J'ai assez dit. Et ce monsieur, ce monsieur a eu un souci. Il n'a pas eu un souci, je veux dire, il a détourné de l'argent, ce monsieur, quand il était ministre. Il a détourné de l'argent. On l'enlève ministre, on le laisse être député, maire de Koumassi, on le laisse vaquer à ses occupations, on le rend même conseiller à la présidence. Vous comprenez? Après son détournement, il a détourné des milliards, cet individu, ce Lilliputien. Il a détourné de l'argent. Vous comprenez? Donc voilà des gens qui nous gouvernent. Les voici. C'est à ceux-là que le neveu de l'oncle devait dire, c'est ceux-là qui nous gouvernent. Voici ceux-là qui... Il ne doit pas dire, c'est ceux-là qui veulent nous gouverner. Voici ce qu'il doit dire, c'est ceux-là qui nous gouvernent. Au lieu d'aller leur rendre visite et puis on va les accueillir dans des fauteuils climatisés et autres. Il a volé des milliards, ce monsieur. Marcel Accoutier dit 100 milliards. Il a volé 100 milliards. Et puis il est à l'aise, il est assis tranquillement. Il bouffe cet argent avec sa famille
Et hein, ce gars-là, il a peur. Il a peur, c'est sa peur qui le fait sortir. Parce qu'ils voient qu'ils sont en train de partir vers la fin de leur existence, leur mandat. Ils sont en train de partir vers la fin de leur règne. Oui, le président Laurent Gbagbo va reprendre la Côte d'Ivoire. Oui, parce que quand la CPI le libérait, la CPI a mis dans le document de libération qu'il doit être réhabilité. Quand on dit qu'il doit être réhabilité, ça veut dire que quand tu étais fonctionnaire et que tu as perdu ta fonction pour une accusation quelconque, et qu'on t'a traduit devant la justice, quand la justice te libère, t'acquitte et te dit que tu dois être rétabli dans tes droits, tu dois être réhabilité surtout, ça n'a rien à voir avec rétabli et puis réhabilité, ça se ressemble, mais il y a l'autre qui est un peu plus fort. Il faut réhabiliter le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Donc le président Laurent Gbagbo, normalement, devait récupérer sa place, parce que c'est là qu'il était. Il était encore chef de l'État quand ils sont venus le chercher. Donc il doit reprendre son pouvoir. Mais en tant qu'un bon homme de droit, il préfère qu'on aille. Le président Laurent Gbagbo, homme politique, mais homme de droit et homme qui n'aime pas voir le sang couler parce qu'il ne va pas venir avec la force dire, comme on dit de me réhabiliter, je reprends mon poste. Et c'est sur cela, il dit, on va aller aux élections. C'est pour cela que son cœur ne bat pas. Pour ceux qui disent, oui, on a condamné à 20 ans, est-ce qu'il va pouvoir être candidat en 2025 et machin, quitter dans ces calculs-là. Le président Laurent Gbagbo n'est pas dans ça. Normalement, il devait reprendre sa place. Mais comme Alassane Dramane Ouattara n'est pas assez fier, c'est un gars qui a Alzheimer. Même le retour de Gbagbo, là, il a dit qu'il ne sait pas qui a mené Gbagbo à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Quand Gbagbo est revenu puis il l'a accueilli, là, vous ne voyez pas comment il était chouchou. Il tombait sur Gbagbo comme ça, il touchait sa peau, il regardait, il dit, mais tu es quitté où? Tu étais où? Gbagbo dit, mais j'étais à la CPI. Tu m'as amené à la CPI. Il dit, moi, mais je ne me rappelle pas. Tu as l'épreuve de ce que tu dis. Bon, j'ai pas envie de rire. Attends, je vais boire de l'eau, je vais me calmer. L'Alzheimer en chef ne se rappelle même pas que c'est lui qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Il ne sait pas, il ne se souvient pas. C'est pour ça qu'il le touchait comme ça quand Gbagbo était arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas que c'est lui qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Vous voyez? Parce que lui, il ne sait jamais rien. Donc voilà où on en est. Les amis, merci. Partagez ce direct. Tout à l'heure, dès que je coupe, j'essaie de changer mon allure pour faire ma deuxième vidéo sur le Burkina Faso. N'oubliez pas, ils disent encore qu'ils ont donné des armes au Burkina B. Pendant que nous, on est en train de dire que le capitaine Ibrahim est trop fort et qu'il est désormais avec le Mali et par ricochet avec la Russie. Donc, eux, ils viennent dire, voilà, c'est nous qui donnons les armes au Mali, au Burkina. On va revenir dessus tout à l'heure. Je coupe ce direct. N'allez pas loin. Préparez-vous pour une autre connexion. On va parler du Burkina Faso. Merci, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. N'oubliez pas de partager. On est ensemble. Et allez-y dire, pour finir, allez-y dire à monsieur le Lilliputien, si c'est Bakongo, que le général Modibo Goïta, Didier Dobo Blaise Gbagbo, Sankara Sékou Touré, Cheikh Nala Gachette, dit qu'il n'a qu'à sortir dans ça. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il n'a qu'à sortir dedans. Maintenant, il n'a qu'à se préparer parce que lui va répondre un jour devant la justice. Parce que c'est lui qui envoie les gens. C'est lui qui pousse Alassane Dramane Ouattara à arrêter arbitrairement les gens. Voilà ce que j'avais à dire. Ciao, ciao. On est ensemble. Merci pour les cœurs. N'oubliez pas, partagez dans tous les groupes, partout où vous pouvez. À tout à l'heure, jamais 10 minutes comme ça. Dans 10 minutes, je reprends un autre direct. Le temps de me changer, le temps de revenir. À tout à l'heure.